Pour son 50e anniversaire, Céline Dion a reçu le plus beau des cadeaux. Le 30 mars dernier, la chanteuse québécoise recevait des messages d'amour de toute la planète. Mais c'est en toute simplicité qu'elle a souhaité passer ce cap. En effet, c'est en famille, avec ses trois fils, René Charles, 17 ans, et les jumeaux de 7 ans, Nelson, et Eric, qu'elle a passé la journée. Pourtant, c'est en direct du César Palace de La Vega que Céline Dion devait célébrer son demi-siècle. Un événement qu'elle a été contrainte d'annuler en raison de problèmes de santé. La star souffre en effet d'un trouble à l'oreille interne, point pas question de déprimer. Céline Dion peut compter sur le soutien indéfectible de ses fans, ses proches, à l'instar de Pop Mignon, mais aussi et surtout ses fils. Ainsi, son aîné, René Charles, a tenu à lui offrir un magnifique cadeau d'anniversaire. Il s'agit d'une lettre très touchante publiée dans le magazine québécois 7 jours. L'oxation pour le jeune homme, qui est désormais méconnaissable de remercier sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Maman, je t'aime tellement pour tout l'amour et l'attention que tu nous portes, à Nelson, à Heidi et à moi. Pour la confiance et les encouragements que tu me donnes dans toutes les choses que je fais. Pour le courage que tu as toujours démontré dans les moments les plus difficiles, particulièrement durant le long combat de papa contre la maladie. Pour la force que tu as insufflée à tout le monde quand il nous a quittés. Des mots bouleversants qui ne manqueront pas de redonner du courage à Céline Dion avant son opération. Crédit photo, best image.